qualcuno è per sempre. Con lui si ferma il cinema, bien fluide, bien célèbre. Les gens se baissent au portillon pour voir cette chose bizarre. Qu'ils prennent pour échantillon d'un animal qui se fait rare. Déjà se viennent tour à tour les gros comptes de la finance. Et les requins et les vautours et les smokings feront leur anse. Les petits plats dans les grands plats et les manchettes à la lune. Des nids qui ne se trompent pas, flotte une odeur de fortune. Je me demande innocemment pourquoi traverse-t-il cette bête quand un vrai zèbre simplement rendrait l'affaire plus honnête. Un homme prend une guitare et le voilà chanteur en vain. C'est encore la même histoire, c'est le même bateau qui vogue. Celui qui se dira déçu se trouvera couvert d'un jure. Quand le nom est marqué dessus, qui pourrait croire à l'imposture? Et c'est distribuer les gros sous pour mieux masquer l'incompétence. Il faut réduire les jaloux, faire taire les consciences. Les braves cons dans leur fauteuil diront bravo, encore une autre. Cochon fait toujours bon accueil à la merde où il se vautre. Je me demande, il ne sait pas. Servido, así como lo llamo el pueblo. Acaba de terminar una guerra de 100 años en contra de los ingleses. Votó a los ingleses de Francia. No solo, por supuesto, unos lo ayudaron, y más que todos, Juana de Arco, la chica que los ingleses quemaron en la ciudad de Rouen. Podría ser muy feliz el chico Carlos. Sin embargo, tiene mucha angustia. Teme de que su hijo, que será más tarde el rey Luis XI, le envenene. Y para evitar el riesgo, ha dejado de comer. Ha dejado de comer por completo. Ni siquiera una empanada. Total que ha muerto de hambre. Mira, no invento nada, son cosas de la historia de Francia. Este rey, para no morir envenenado, ha muerto de hambre. Me parece algo ridículo.
Bueno. Das ist ich, der normalerweise in Venezuela lebt und der aus Vereinigten Staaten extra hierher kam, um an unserem Fest teilzunehmen. Yves, der Texter für französische Texte in unserem Film. Er ist der Alors, un Mr. Obama. Ah, how are you, Mr. President? Yes, yes, I am with Manfred and Manfred. How glad to see you, Mr. President. Obama. Er mag überhaupt nicht Obama. Er war in den USA und hat per Mail geschrieben. Moment. Hallo, Hugo. Como estás? Como estás? Hugo Chavez, Präsident von Venezuela. Hola, amigo. Sí, soy con Margaret y Manfred. Sí, nos vemos. Besos. Okay. Das wisst ihr sowieso, das habe ich euch schon gesagt. Er ist ein begeisterter Anhänger von Chavez und wartet noch immer, dass er zu ihm eingeladen wurde schon, aber dass er zu ihm vorgelassen wird. Und jetzt hat er hier angerufen. Hallo, Nicolas. Nicolas. Nicolas Sarkozy. Oui, comment tu vas? Oui, je suis avec Margaret et puis avec Manfred aussi, oui. Ah, merci de nous appeler, oui. Continue. Also, ist ja klar, ne? Das ist unser Präsident, seiner und unser. Kennt ihr alle schon, das ist der Größte. Der Kleine. Der Kleine, aber der Größte. Und unsere Frau Merkel ist ja dicke Freund mit ihm. Ja. Hallo? Angela? Oh, no, I don't speak German, Angela. Mira, te pongo con Margaret. Angela. Ich möchte mal hören, was Sie uns zu sagen haben zu unserem Feiertag, zu unserer goldenen Hochzeit. Oh, sie sagt, sie glaubt, sie schafft das nicht.